من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وكريمنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شفرج الله سبحانه وتعالى نريد لسان قرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو بلي قرآن كرنيا الله سبحانه وتعالى دين كرن سنسي فت ان سورت ك La mort vous trouve parmi les croyants sincères. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de cette sincérité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Faites les bonnes œuvres dans la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et conseillez-vous mutuellement la vérité et conseillez-vous mutuellement la patience. En effet, chers frères et sœurs, la sincérité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est un élément essentiel dans le comportement du musulman. Oui, dans le comportement du musulman, la sincérité est importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu zakat wa yutu zakat wa dhalika dinu al-qayyima. Je ne vous ordonne que de m'adorer dans l'adoration sincère. La religion et wa aqimu salat wa atu zakat. Établissez la prière dans la sincérité. Établissez la zakat dans la sincérité. Lorsque on prie, la sincérité qui est demandée dans la prière, cette sincérité veut dire lorsque vous êtes seul, la façon que vous êtes seul, la façon dont vous vous comportez pour prier, qui souvent ne ressemble pas lorsque vous êtes en public,
Souvent, on a envie d'éprouver aux yeux de gens, et non pas pour servir Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt faire plaisir au regard dans un certain comportement de prière lorsqu'on se trouve en public ou bien quand on sait qu'on nous regarde. Et lorsqu'on est seul à la maison où personne ne nous voit sauf Allah, et c'est ce que souvent on oublie, que lorsque personne ne nous voit, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. À ce moment, il est avec nous. Et lorsque nous nous comportons pour une prière, il faut que ce comportement-là soit sincère dans l'adoration. Chers frères et sœurs, lorsqu'on sort le petit matin pour aller chercher son pain, pour nourrir sa famille et faire son bien-être avec, on doit le faire dans la sincérité. Oui, je donne un exemple. Lorsque vous partez pour un service, le contrat du travail est que vous commencez le travail à 7h30, vous vous arrêtez de travailler à 12h00, vous reprenez peut-être à 14h30, vous arrêtez le travail à 18h00. Chers frères et sœurs, vous devez être au travail à 7h30 exactement. C'est un engagement que vous avez pris avec votre employé et vous devez respecter cet engagement en tant que musulman. Mais comme le travail commence à 7h30, vous n'avez pas de contraintes majeures qui vous empêchent de venir à 7h30 exactement pour commencer le travail. Mais vous prenez votre temps pour venir commencer votre travail à 8h. Lorsque vous signez le contrat de 7h30 à midi, quand on fait le salaire, nous allons trouver que les heures sont comptées, les minutes sont comptées, même les secondes. Ou on pourra vous dire, une heure, ça fait 500 francs. Alors, vous êtes venu à 9h au lieu de 7h30. Vous avez perdu combien de temps? Mais l'employé ne veut pas dire que comme il n'est pas venu à 7h30, on va trancher. Ou bien vous-même, votre sincérité ne vous permet pas d'aller dire, non, aujourd'hui j'ai commencé à 9h, donc vous devez trancher de 7h30 à 9h l'équivalence. Vous taisez, et cela est dans nos comportements, qui se fait tous les jours. Alors, à la fin du mois, nous percevons quelque chose que nous n'avons pas fait. Nous avons aperçu la somme de ce qu'on n'a pas fait comme travail, chers frères et sœurs. Vous n'avez pas été sincère dans votre engagement. Alors, tout ce que vous n'avez pas le droit d'avoir, cela vous sert de haram. Ça devient un haram pour vous, chers frères et sœurs. Vous vous achetez des habits avec ça, vous venez à la prière, cet habit que vous portez est sale. Vous achetez des tapis, vous dormez dans une maison, vous payez votre loyer, vous dormez dans le haram, chers frères et sœurs. Vous achetez la nourriture, vous nourrissez vos familles avec. Vous nourrissez vos familles dans le haram. Alors, comme nous constatons souvent, une barrique d'eau qui peut contenir 280 litres, lorsqu'on met 10 litres de sang dans le lait, on ne peut plus consommer. Et cela aussi est valable dans nos comportements, ce que nous faisons. Chers frères et sœurs, la sincérité doit être dite dans nos paroles. Lorsque vous engagez, il faut respecter votre sincérité. Cela va de votre dignité islamique. Surtout, celui à qui vous avez pris l'engagement, s'il vous croit en tant que musulman. Alors, si vous ne respectez pas votre engagement, vous avez trahi non seulement la personne, mais il est considéré que vous avez trahi toute une communauté. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man khasana falaysa minna. Celui qui nous trahit n'est pas des nôtres. Chers frères et sœurs, vous cesserez d'appartenir à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que votre sincérité n'a pas été établie
alors que vous avez pris des engagements pour être sincère. Parce que déjà, le musulman, son âme secrète, sa sincérité commence lorsque le musulman dit « Ashhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammad rasulullah ». Le musulman atteste que Dieu, il atteste que Dieu est unique et tout ce qu'il fait appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, le serviteur et le messager de Dieu. Cette attestation sert de quoi? Ça veut dire, je m'engage en tant que musulman, respecter mon créateur à travers le message qu'il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre à la communauté. Alors vous respectez vos engagements parce que vous avez pris des engagements vis-à-vis même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque vous trahissez la communauté musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sent cela. Et c'est une honte pour lui parce que voilà un membre de la communauté qui ne respecte pas ses engagements alors qu'il s'est fait voir en tant que musulman par apparence. Et en dehors, quand on le voit, on dit qu'il est sincère, il est musulman, mais il ne respectait pas ses engagements, chers frères et sœurs. Cela est condamnable, c'est voué tout simplement à l'enfer. Qu'Allah nous épargne de l'enfer, Inch'Allah. Alors, le musulman doit se repentir tous les jours parce que à chaque fois nous commettons ce genre d'erreurs sans se rendre compte. Souvent, d'autres sont faits sciemment, d'autres nous ne faisons pas par exprès, ça peut arriver. Il y a une contrainte qui peut arriver. Vous dites Inch'Allah à quelqu'un que je viens à 9h. Vous attendez avant 9h. Le sommeil vous a empêché de vous lever avant 9h. Jusqu'à 9h passées, vous dormez. Le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Ça veut dire que vous n'étiez pas en possession de toutes vos capacités, vos facultés. Alors, c'est là vous êtes excusable parce que vous êtes pris par un sommeil. Et quand vous venez devant la personne qui se plaint, par exemple, mais vous m'avez donné l'heure, vous n'êtes pas venu, ayez le courage et la sincérité de lui dire que j'étais en train de dormir, excusez-moi. Il ne faut pas trouver d'autres excuses pour le dire. Cette sincérité est valable aussi pour le commerçant. La marge du bénéfice n'a pas de limite en islam. Vous pouvez payer quelque chose, acheter quelque chose 5 francs, la revendre même à 500. Ça n'a aucun péché. Mais seulement, lorsque vous achetez à 100 francs, vous dites, vous vendez ça à 300. Le client qui est en face de vous dit, pardonnez, laissez-moi à 200. Et que vous dites que vous avez acheté plus cher que ce 200, à partir de ce moment-là, cet argent devient prohibé. Alors ce que vous avez dit, rend votre argent. Si la personne a eu confiance en vous, dit, bon, comme il a acheté au-delà de 200, attends que je lui donne 250 au moins. S'il vous donne 250, ce que vous avez pris est haram. Chers frères et sœurs, en cela, le musulman est celui qui respecte ses engagements. Respectons notre parole, surtout la parole qui est tellement importante. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait les signes d'un hypocrite, et la plupart des signes ne viennent que par la parole. Il dit lorsqu'il donne des promesses, il ne respecte pas. Quand il prend des engagements, il n'honore pas. Et quand il dit quelque chose, il ne le fait pas. Donc, à chaque fois que nous constatons, tous ces grands péchés parviennent de la parole. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous devons parler, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi » Craignez Dieu d'une crainte sincère. Il faut que cette crainte soit sincère. Vous ne devez pas tromper les gens avec votre sincérité. Si vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas. Mais on le saura, car le mensonge se découvre très rapidement.
Et le mensonge, lorsque le musulman se met à mentir, les anges de bienfaits s'éloignent de lui. Parce que Dieu fait sortir une odeur dans sa bouche que même les anges n'arrivent pas à supporter. Mais l'homme peut supporter, l'homme ne sent pas cette odeur-là. Mais Dieu permet aux anges de comprendre cela. Les anges du bienfait ne peuvent pas supporter cette odeur-là. Mais les anges du mal seront là pour écrire le mal que vous avez fait. Parce que vous venez de dire quelque chose qui n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Alors, méfions-nous de la parole. Lorsqu'on donne son engagement, il faut respecter, chers frères et sœurs. Essayez de nourrir nos familles avec de l'argent ou avec le bien acquis. Comme je le dis, vous trichez au travail, on vous paye, alors que vous n'avez pas fait le travail. On vous donne cet argent, vous prenez et vous consommez. Vous donnez à vos enfants, vous achetez de la nourriture, vous donnez à vos enfants, ils mangent. Vous achetez l'électricité, vous mentez, l'électricité est éclairée dans le mensonge. L'eau que vous buvez est dans le mensonge. Lorsque vous dormez dans un espace de la terre qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, quelqu'un vient, il dit que ça c'est chez moi, il achète et il remet à la disposition de d'autres personnes. C'est vrai. Mais la terre même appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque nous allons quitter ce monde-là, nous n'allons pas emballer nos maisons et ou notre champ pour aller avec. Nous laissons ça ici comme héritage. Et ces héritiers aussi vont laisser comme héritage jusqu'à la fin du temps. Après, tout le monde va partir pour laisser. Alors, cet espace qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, vous venez de couvrir là-bas de mensonges et vous dormez dans le mensonge. Alors, cela affaiblit nos foies. Cela atteint à nos foies et ça mange nos foies comme le feu consomme le bois de chauffe, chers frères et sœurs. Alors, je m'invite et je vous invite, chers frères et sœurs, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il faut craindre Allah et tout ce que nous faisons doit être dans la sincérité. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Que nous guide sur le chemin de ce qu'il a accompli de ses bienfaits. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Inna Allah ghafurur rahim.